Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est tout. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu particulière puisque j'aimerais tenter un nouveau let's play. Alors, je sais pas du tout si ça va vous plaire, si ce genre de jeu peut vous intéresser. Il s'agit de The Last of Us. C'est un jeu apparemment qui est un chef-d'œuvre et que je n'ai jamais pu découvrir. Je vais vous expliquer l'histoire vite fait. En gros, il y a un virus qui se développe sur Terre et qui va décimer une grosse partie de la population. Ça va les infecter. En gros, les gens vont devenir un peu des zombies, même carrément des zombies. Et bah, ils veulent vous bouffer le cerveau. À peu de choses près, on y est quoi. Nous, on incarne Joël, un homme complètement ordinaire qui va faire la rencontre d'une jeune fille qui, elle, s'est fait mordre par un infecté mais qui ne s'est pas transformée. Ça veut dire que grâce à elle, on peut peut-être faire un vaccin et sauver le monde. Et ça, ça va être notre objectif. Sauf que vous doutez bien que ça va pas être si facile que ça. Comme d'habitude, on tente. Si jamais ça vous plaît, on continue. Si jamais ça vous plaît pas, on aura fait au moins un épisode dessus et je le continuerai de mon côté. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour me faire savoir que vous kiffez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On y va, premier épisode, premier test. Let's go. Ok, on y est. Alors. Putain, j'aime pas quand ça commence Tommy, en pleine nuit comme ça. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Je pense que c'est lui qu'on va incarner. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est un anniversaire? C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Ils sont mignons. Je pense que c'est du coup, lui, c'est Joël qu'on va incarner. Et ça, du coup, c'est sa fille, je me doute, hein. Pourquoi je le sens trop mal? C'est horrible, mais je le sens tellement mal, la musique, ça, je le sens trop mal, c'est affreux. Bonne nuit, trésor. Ok, donc c'est comme ça que ça commence. Je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Il y a des quoi? Prends la batte de baseball, je la vois, prends-la avec toi, la vérité, prends ça avec toi, s'il te plaît. Dis-moi que tu la prends. Tu la prends pas? Alors, hop. Le jeu est très joli en tout cas. Pourtant, il est sorti il y a un très très long moment. Papa? Enfin, il y a quelques années. Et pour le coup, la version remasterisée, parce que c'est la version remasterisée qu'on... avec laquelle je suis en train de jouer, et bah c'est très très joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Explosion des admissions dans les hôpitaux de la région. Du coup, voilà, c'est ce dont je vous parlais. La fameuse infection, 300% d'augmentation. Waouh, une femme hystérique tue son mari et 3 victimes. Lourd. Bah ça met l'ambiance, non mais c'est cool, c'est cool. Du coup, je sais même pas comment elle s'appelle, la petite. J'ai pas fait attention. Alors, est-ce qu'il serait à droite? Je vois la télé. Hop! Tu es là? Qu'est-ce que t'es passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Ouais, c'est chelou, hein? Attends, qu'est-ce qui se passe? Wow! What? D'accord, donc j'ai vu l'explosion à la télé, je la vois également en vrai, c'est trop bien fait. D'accord, bon par contre, dites papa, qu'est-ce que tu fous parce que la vérité, je suis tout seul. Ramène-toi, non?
Allez, descends vite. Oh là là, comment moi je serais pas bien à sa place, comment je serais pas serein. Comment je serais pas serein du tout. Ah. C'est son téléphone. Où ça? Là, ok. Hop. Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es? Rappelle-moi, j'arrive bientôt. Ok, c'est encore Tommy, donc son oncle. Oh mais il est où? Je vois la porte ouverte là-bas. Oh. What the fuck? Ça a bougé, what the fuck? Ça a bougé, le pneu il a bougé. La vérité, je me sens pas bien. Ok, il est là, Bon, c'est un bon point déjà. Voilà. Sarah, c'est ça. En plus, il l'a dit tout à l'heure, oui. En plus. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. Ok, tu rigoles pas. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Ouais, moi aussi, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Ah oui. Putain. Ouais, ils sont malades, ouais. Papa. Chérie, viens là. Aimé. Ouais, ça c'est une petite grippe ça. Allez. Ouais, voilà, c'est une petite grippe, rien de méchant, tu vois. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Ouais. Tommy, allez. Ouais, on bouge, allez. On bouge. Vous avez passé. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tirons nos destins. Il paraît que la moitié de la ville a perdu votre pédale. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard. Ouais, pas devant moi, je me doute. Comment ça va, chérie? Ça va. Bon, ça pourrait aller mieux, hein. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Ouais, du coup, bon, tout le monde est en train de fuir. Radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait, l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. On l'a 60-61. Oh là. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Oh, voilà, ferme ta bouche, vrai. Meuf, elle a 9 ans, elle a 10 ans, t'es en train de lui dire que tout le monde s'est fait buter. Tais-toi, non? Mon de Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh la vache. 5 euros, il y en a un, ils me foncent sur la voiture. C'est sûr. C'est sûr. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Bah, j'espère pour lui aussi. T'en fais pas pour lui. Malade? Non. Bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Toi, Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Oh là. Tout va bien, je sais pas, hein. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Oh là là. C'est horrible. Vous n'avez rien. Quelqu'un d'autre passe. C'est vraiment du chacun pour soi, c'est horrible. Dans une situation comme ça, c'est ça en plus, hein. S'il se passe ça vraiment dans la vraie vie, malheureusement c'est ça, hein, c'est chacun pour soi, c'est horrible, ça fait peur en vrai. C'est affreux. Ah ouais. Ça par contre fallait s'y attendre, hein. Fallait que tout le monde ait la même. Bah c'est sûr. Demi-tour, ouais. Oh la vache. What the fuck? Iiii, j'avais dit qu'il fonçait dans la voiture. Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici. Ok. Wouah. Je fais de mon mieux. Mais bouge, toi. On peut pas rester ici, Tommy. Je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, accroche-toi. Allez, là. Wow.
Aïe. Alors ça, c'est embêtant. Papa. Hey. Oh la vache. Recule, ma puce. Recule. Ok. Hop. Hop. Allez, encore, 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 encore. Voilà. Ouh. Ouais, généralement ça calme. Généralement ça calme. Je suis là, je suis là. Donne-moi la main. Magne-toi, Sarah, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? La jambe. Mal comment? On va devoir courir. Évidemment. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. Allez, vite, 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 vite. Oh là, c'est la guerre. Ouais, ouais, ça, ferme les yeux, ferme les oreilles aussi, ferme toute ta vie là. Dépêche-toi! Et je vais où comme. Oh là 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 là. C'est la merde, je vais où comme. Je vais par là, je vais par là. Oh là là. Putain, vous imaginez, ça nous arrive en vrai, ce serait. Oh là là, c'est la merde. C'est ça, tais-toi, arrête de regarder toi. Ne pose pas de questions. Par là-bas, où? C'est dans quoi par là-bas? Ok, par là-bas, bah par là-bas. On va au théâtre? Allez! Ah non, mauvaise idée, hein. Très mauvaise idée, hein. Très très mauvaise idée. Et oh, eh, là-dedans, la gars, là, là, mon gars. On va là-dedans. Là, ici, c'est là, on se cache. Allez, parfait, j'avais tout, j'avais compris, j'avais déjà compris. Ouvre ça, là. Ouvre. Ok, 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 ok. Bah, je me dépêche, ça va. Ok. Où est-ce qu'on. Waouh! Dégage, 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 dégage. Ok. Ah, d'accord. Pas de pression. Ok, la poubelle dégage, hop là. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, on va où, on va où, on va où? Oh bah t'es mignon. J'ai une gamine dans les... Oh non, me dis pas qu'il y a un mec derrière. Il y a un mec derrière, il y a un mec derrière, il y a un mec derrière, il y a un mec derrière. Oh c'est chaud. Il va forcément mourir, Tommy là. Aïe, 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 aïe. On court, on court, on court, on court. On y est presque. Ok, ok, ok. Allez, allez. Il se rapproche, ça craint. Une ambulance. Je le sens mal. Oh, what the fuck. Mec, dégage, dégage, waouh. Dégage, 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 dégage. Cassez-vous. Laissez-moi tranquille, je suis derrière moi. Je vois les ombres et tout. Ok, c'est bon. Enfin un coup de main, putain. Hey, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Allez. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Mais que tranquille, tranquille, okay. Tranquille. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok. Chef, il y a une petite fille. Mais. Mec, t'es sérieux? T'as pas oui, chef. Tu vas pas faire ça, quand écoutez, même. On vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste. Oh merde! Non, 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 non! Mais à. Mais à quel point tu peux être une aussi grosse ordure comme ça? Voilà, chat! À quel point tu peux être aussi inhumain comme non. Ça? Non, me fais pas le coup. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Oh Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Non.
Last of Us. Putain, j'ai déjà envie de chialer, quoi. J'ai déjà les larmes aux yeux, c'est horrible. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Oh là là. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. C'est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Chaud. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte. D'accord. À nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Ok. Eh ben, waouh! Eh ben c'est une jolie intro, hein. Ça m'a calmé. J'avais envie de pleurer, ça m'a tellement fait mal au cœur. Ça m'a brisé le cœur en 20 minutes. Super le jeu. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, ah oui quand même. Ok. Ah oui, il a pris un sacré coup de vieux, notre petit père. Ouais, j'arrive. Violent. Oula. Mais qui es-tu, toi? Je ne te connais pas. T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Tess. Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe? Je sais pas du tout qui c'est, la Tess, pour l'instant. L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Ah, Robert, bah oui. Notre Robert. Ouais, ah, oui, il sait qu'on le cherche. Notre Robert. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mmh. Mais j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. À ce qui paraît, il est petit. C'est le petit Robert. Ok, vas-y, j'arrête. Alors, du coup, on est quand même 20 ans plus tard. Donc 20 ans après le décès de sa fille. Et le monde a quand même vachement changé, hein. Je vois qu'apparemment il y a un groupe qui s'appelle les Lucioles, des espèces de... Le poste 5 est ouvert. De révolutionnaires. Et l'armée, du coup. Ok. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter ici. Je pense que c'est quand même une très belle entrée en matière pour ce jeu. Pour pas faire meilleure introduction. Ça m'a brisé le cœur. Ça a montré un petit peu dans quelle merde on était. Et ça a montré un peu l'ambiance du jeu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'adore l'ambiance. Pour l'instant, le jeu me donne vraiment envie. Si jamais c'est le cas pour vous aussi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettre le petit pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste ici pour ne rien louper. Vous pouvez regarder mes dernières vidéos en cliquant ici et ici. Et nous, on se retrouve très très vite. N'oubliez surtout pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, ciao ciao tout le monde. Right now,